Quand j'arriverai au bout du parcours, je trouverai la force et le corps. Je ne ferai pas tenir tout, même si le risque est grand. J'ai réussi à maîtriser tout au long du chemin les Pokémon que j'ai croisés. Je détiens le pouvoir dans ma main. Nous rêvons dans le monde Pokémon. Chaque jour qui passe est un défi à relever. Chaque jour qui passe, nous rêvons dans un monde Pokémon. Et pour gagner, je dois prouver que personne ne peut m'égaler. Tu voudrais devenir maître Pokémon. Tu es prêt à tout pour qu'on fasse. Nous rêvons dans un monde Pokémon. Le monde change tout autour de nous. Pokémon Johto. On veut tous être le meilleur dresseur et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur d'un destin qui paraît incroyable. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. Tu te surpasses, continue, tu t'améliores. Le monde change tout autour de nous. Être le plus déterminé. Le monde change tout autour de nous. Car il faut tous les attraper. Être le plus déterminé. Et donc bonsoir et bienvenue pour ce live sur Pokémon Pets, tout simplement un live qui devrait durer 1h30 de 16h30 à 18h heure française. Hein. Je précise que c'est un stream français, hein. Je pense que vous l'avez un peu remarqué, vu ma langue. Donc voilà, donc stream français sur un jeu en turc. Enfin, là, je l'ai mis en langage anglais. Hein. Donc, pour accéder tout simplement au jeu, alors, Pokémon Pets, je précise vite fait que c'est un jeu gratuit sur navigateur internet. Il suffit de taper www.pokemonpets.com et vous aurez accès au jeu. Voilà, vous aurez accès au jeu. C'est gratuit. Il n'y a rien de payant. Tout est gratuit. Alors maintenant, si vous voulez tout simplement m'envoyer des messages, etc. Alors, il y a plusieurs endroits. Il y a tout d'abord un chat qui se trouve normalement juste à droite. Alors, tout dépend près du site dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes sur le site Wargames, c'est un chat... un chat, voilà. Et si vous êtes sur gaminglive.tv, c'est un autre chat. Il est placé au même endroit, hein, à droite du player. Tout simplement. Ou alors, sinon, il y a le Twitter, hashtag ChrisSisLive. Donc, C-H-R-I, le chiffre 6, et ensuite live, hein, tout simplement.
Et donc voilà, donc on est parti pour 1h30 de Pokémon Pets. J'ai retiré ça, voilà. Donc 1h30, alors là, où est-ce que j'en étais d'ailleurs? Où est-ce que j'en étais? Ah oui, donc là il me semblait que j'arrivais en ville, voilà. J'arrivais en ville et il me manque plus beaucoup de badges. Sachant qu'en tout dans ce jeu-là, il y en a 19 en tout. Donc 19 badges à collectionner, enfin à récupérer. Donc voilà, je regarde un peu les messages. Alors, donc on soigne tout ça, oui, forcément. On soigne tout cela. Alors, il devrait y avoir normalement qu'une seule pause, normalement. Hein. Bon, il y aura peut-être une deuxième. Hein. On verra au fil de l'émission. Alors, je ne suis pas encore à la ville qui est à l'arène. Enfin, je ne suis pas encore arrivé à l'arène normalement. Il me reste encore un petit peu à parcourir. Il me reste encore un peu. Ça avance pas très vite. Ça avance pas très vite. Ça avance ça avance mètre par mètre. Hein. Je me rappelle plus à quelle route elle se situe, la reine. Je ne me rappelle plus du tout. Je l'avais dit durant la précédente émission. Et je ne me rappelle plus du tout où elle se trouve. Car l'objectif dans cette émission, ce sera d'avoir un nouveau badge. Donc le nouveau badge, j'espère l'avoir en tout cas. J'espère. Non, j'ai pas envie de ce Pokémon là. Il a un petit bug là, le jeu. Un petit bug. Voilà. Il a un peu du mal là, ce soir, le serveur. Il commence déjà à faiblir, le serveur du jeu. Hop, les gars. Voilà. Alors, on va mettre un petit bout de temps pour atteindre l'arène, normalement. Je pense. Vu que je me rappelle plus du tout quelle route elle est. Je dis ça, mais au final, ça se trouve, dans une ou deux maps, on l'aura atteint. Ça sera ballot. Ah non, celui-là, je l'ai déjà. Hein. Oh, punaise, bon. Bon. On va l'éliminer assez facilement. Il n'y a pas de souci. Et bim. Voilà. On l'élimine très facilement en un coup. En même temps, vu la différence de niveau, c'est pas étonnant. Hop. Alors, si je pouvais éviter le NPC, ça serait bien. Normalement, je vais pouvoir. Hein. Je vais pouvoir l'éviter. Alors, je précise que je ne peux pas voir tout en même temps, hein, c'est-à-dire les deux chats, le Twitter, etc. Je peux pas tout voir en même temps. Hein. Je suis désolé. Parce que à vrai dire, à part le PC dans lequel là je fais le stream actuellement, j'ai pas d'autre PC. Enfin, écran de PC à côté de moi. PC à côté de moi, voilà. Pour voir un peu les messages. Du coup, j'ai juste un autre écran pour voir. Les messages, mais malheureusement c'est les messages que d'un chat, donc l'autre chat, le chat de gaminglive.tv et le Twitter, j'irai voir cela pendant les pauses, malheureusement, là où les pauses, hein, parce que là, je sais pas si vous arrivez à voir, en plus ça me le refresh, le chat il me déconnecte en plus à un certain moment d'inactivité. Le chat qui a sur War Games. Hein, mais
Mais voilà, en gros. Oh, le chat que je vois. Voilà, en gros. Voilà, j'utilise un gamepad Wii U pour voir vos retours. J'espère que j'aurai autre chose durant les prochains jours, voire les prochaines semaines, parce que je vous assure que c'est pas du tout pratique en fait. Alors, pas du tout. Alors. Ah, je peux. Il va falloir que j'aille un petit peu, voilà, par là. Donc là, pour l'instant, sur les chats que je vois actuellement sur le gamepad, je vois aucun message. Donc n'hésitez pas à en mettre, tout simplement. Hein, c'est toujours encourageant, c'est motivant, vous voyez, hein, un petit message comme ça, mine de rien. C'est très bien, un petit message. Faites-moi plaisir. Envoyez. Je précise que l'envoi d'un message est gratuit. Hein. Je le précise. Hein. On sait jamais. Mais il y en a peut-être qui sont pas au courant que c'est gratuit. Hein. Voilà. Donc je le précise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, elle est peut-être ici, la reine. Peut-être là, alors je retourne vite fait au centre Pokémon. Alors, j'ai posé une petite question toute simple. Je vais répondre tout juste après, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est bon. Pourquoi ici ça s'appelle Monster Center? Alors qu'à la base, bon, ça devrait s'appeler plutôt Pokémon Center, à la base. Ben, c'est tout simplement que l'équipe qui a créé ce jeu avait créé auparavant un autre jeu qui s'appelle Monster MMORPG. Hein, c'est aussi un jeu gratuit sur navigateur internet. Alors, ils avaient fait leur propre map, ils avaient fait leur propre monstre, etc. Et ils se sont dit, bah, on va faire la même chose, on va mettre nos mêmes maps. Donc, c'est-à-dire pas les maps Pokémon, mais d'autres maps, voilà, qu'ils ont des maps de Monster MMORPG, qu'ils ont totalement imaginé. Hein. Et donc, on garde tout sans rien modifier, sauf les monstres, ou est-ce qu'en effet, ils ont mis les monstres Pokémon cette fois. Hein. Donc voilà, donc ils ont tout gardé sauf les monstres Pokémon et ils ont même gardé les écritures qu'il y a sur les maps. Par exemple, là, Monster Center. Il y a d'autres petites choses aussi qu'ils n'ont pas modifiées et qui, en l'occurrence, ils auraient peut-être dû. Hein, voilà. Hein. Mais voilà, pour ceux qui se posent la question, mais pourquoi ça s'appelle Monster Center ? Parce que sur l'autre jeu, ça s'appelle Monster Center. Voilà. C'est tout simple. C'est tout bête. Voilà. Je pense que l'arène est par là. Ouais, attendez, je vais regarder. Je vais regarder. Hop. Ah non, il n'y a même pas d'arène. Même pas, en fait. Même pas, c'est juste... Ouais, c'est juste, il y a une entrée de sortie. Une entrée de sortie. Alors, attendez, je vais voir à peu près... Où est-ce que j'en suis? Les maps. Donc, oui, il faut aller en haut. Il faut aller en haut. Bon, ben, on va aller en haut, hein, les amis. Hein. On va y aller. Il me reste environ, je crois, 4-5 maps, à peu près. Il me reste à peu près tout cela. Je sais pas trop si je vais galérer un peu dans l'arène. Oh, sans doute un peu, hein. Je vais pas me mentir. Je vais sans doute un peu galérer quand même. Soyons sérieux. Je vais galérer. Alors. Ouais, et là, je suis quand même très loin dans ce jeu-là.
Parce que je suis quand même à la route 423. Ce qui est quand même assez loin. C'est quand même assez loin. Ah, punaise, bon. Évidemment. 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 Voilà, j'ai... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tiens, hop. Oh, c'est sensible au type poison. Bah, bon, il m'a envoyé une attaque, mais bon, c'est pas très très bien méchant. C'est pas si risou. Et pas Shirizu, ça devient de plus en plus fort quand même. Hein. Alors, non, là, je vais pas aller dans le sous-terre. C'est pas ce qui m'intéresse sous-terre. En plus, c'est moins beau. C'est plus gai, c'est moins beau. L'extérieur, c'est mieux, voyez-vous. C'est vachement mieux, je vous assure. Sous-terre, il y a quoi, il y a rien. Bon, là c'est vrai que c'est pas terriblement beau sur cette map-là, parce que bon... Voilà, la couleur est un peu... Encore un pas sur Izu. Je n'en veux pas. Là pour l'instant j'ai pas prévu de capturer des Pokémon durant ce live. J'ai pas prévu ça. Hein. On verra peut-être, on verra. Mais très sincèrement, je pense pas. Je pense pas du tout, d'ailleurs. Alors. Donc, on va continuer. Il doit me rester environ 2-3 maps, je pense. 2-3 maps. Je pense qu'elle va se trouver vers la route 430, je pense. Je pense que la route 430, c'est la bonne. Ah. Non, non, je ne combats pas de... Ah, j'aurais dû prendre à droite. Quelquefois, les petites croix qui indiquent les entrées et sorties bon, des maps n'indiquent pas forcément le chemin le plus court. Voilà. Ce qui est bien, c'est que j'ai même pas du tout regardé. Enfin, je suis même pas du tout intéressé à... Enfin, mince. Ah, il a quand même réussi à me mettre KO. Enfin, j'avais pas du tout regardé quel Pokémon c'était. J'étais parti dans ma discussion et voilà. Bon là, en l'occurrence, ouais, on va mettre celui-là. En l'occurrence, je devrais l'avoir. Oui, voilà. Avec un petit peu de mal, mais j'ai je compte d'un niveau en plus. C'est génial. Alors. Pour l'instant, je vais pas remettre de potion. Pour l'instant, ça sert pas à grand chose, sachant que je vais bientôt arriver à un centre Pokémon. Circus. Les cirques. Les cirques, les amis. Alors, le centre Pokémon, il est où? On va le chercher. Centre Pokémon, tu es où? Bon. Oh. Fini la partie de cache-cache. Ok, il est en bas. Tout en bas. En bas à gauche. Ah. Voilà, donc là je suis arrivé au centre Pokémon pour soigner mes Pokémon. Alors, ah oui, il faudrait que je change un petit peu.
Alors je vais prendre mes Pokémon les plus forts, peu importe le type, hein. Peu importe le type. Alors, voilà. Je soigne vite fait. Et on y go pour la reine. J'ai pas mal de badges. Hein. Il y a 19 badges, donc 19 arènes. Donc il y a vraiment de quoi faire dans ce jeu. Ça c'est bien. C'est vrai que si j'aurais mis avec quoi, même pas 10 badges, ça aurait été assez nul. Donc là, ils ont bien fait de mettre plein d'arènes et du coup plein de bacs. Ça fait une grande aventure à faire. Donc, alors là, j'arrive à l'arène. Oh, attendez, je regarde un peu ce qui m'attend. Je regarde un peu. Hein. Alors. Donc là. Ouais, champion de l'arène, il va être quand même un petit peu coriace. Hein. Il va être coriace quand même. Il va être coriace, donc je vais d'abord faire les NPC trainer. Ensuite on fera sans doute la pause, je pense, et ensuite on fera le match contre le champion de l'arène. Donc là, ça a l'air théoriquement d'aller. Je pense que ça va aller. Ça va aller. Donc, alors, ah bah c'est celui-là. C'est celui-là. Hein. Je ne me trompe pas. Oui, c'est bien celui-là. Donc là, en théorie, je vais pas trop avoir de mal. Normalement, allez hop. Hein. No problemo. C'est bon. Il y a une attaque de type O. Hop les. On va prendre une potion parce que là, on va un peu assurer. Bon, on va essayer. On va essayer. J'ai combien de PV à remettre? 150. Oh, allez, on va carrément utiliser 150. Allez hop. Je vais s'assurer. Victoire, normalement, de l'eau. Ça fait pas dans l'effet que je pensais. Enfin, ça en fait quand même, mais. Bon. Ah, punaise. Ça fait pas autant d'effet que je le pensais. Très sincèrement. Très sincèrement, je suis déçu. Alors, tout va, j'ai encore. On va le garder un peu. On va essayer de balancer. Hop, il est plus sensible à quoi? Ok. Ok, donc si j'aurais une attaque physique, ça serait super. Ouais, j'ai que des spéciales, ok. Bon. Ah, bien. Par contre, ça fait des dégâts. Ouh, ça, par contre, ça fait mal. Oh là là, brûlure. Ouais. M'a paralysé. Ah ouais. Ça, par contre, ça fait mal. Ça fait mal. On va changer. Allez, hop. Let's time. Aïe, boy, voilà. J'ai tout donné. Oh! Il fait quoi avec... Avec tricrum. Oh, punaise. Punaise, la vache. Et puis là, je vais pas pouvoir faire grand chose. Voilà.
C'était un peu prémédité le coup. J'aurais peut-être dû mettre de la potion pour mon tentacle. Bon, tant pis. Ah, là par contre, là, ouais, ça va pas faire beaucoup de dégâts. Ouais, non. Ça fait même rien. Faut jouer de fenard. Faut jouer de fenard. Ouh. Ah, j'ai quand même j'ai quand même eu le combat. Bon. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va faire on va retourner d'abord au centre Pokémon. Je pense que ça va le faire. Au moins pour tous les NPC. Après, bon, pour le champion de l'arène, ça sera peut-être une autre histoire. Donc là, voilà, j'arrive au centre Pokémon. Avec des Pokémon KO. Allez, donc là, voilà, je soigne tout ça. Je demande un petit temps, voilà. C'est bon. C'est bon, voilà, je peux retourner à l'arène. Retourne à l'arène. Que je me prenne pas ce NPC là. Hop là. Je pense que le deuxième NPC ne sera pas trop méchant. Bon, va aller là. Allez, hop. Là. Là. Alors, ok. Il est un petit peu plus méchant celui-là. Un petit peu plus. Je pense. Bon, je pense que ça devrait y arriver. Théoriquement. Est-ce que j'ai besoin de fenêtre? Poursuivre, ouais, ça peut être pas mal. Ouais, on va suivre mon instinct. Mon instinct me dit de commencer par celui-là. Ah bah, je crois que j'ai bien fait quand même. Par contre, là, est-ce que ça va? Ouais, ça marche quand même. Bon. On va prendre une potion. Potion. Ça j'ai pas mal en potion. J'ai vraiment plein de stock. Ça, c'est pas une chose qui me manque. Appelé. On y arrive. Voilà. Franchement, j'arrive quand même bien à m'en sortir pour l'instant dans ce match. J'y arrive. J'arrête avec les potions 150 PV parce qu'on dit les potions qui régénèrent 150 PV parce que après j'en aurais plus, mais oui, ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui peut être fait? On va tenter. Ouais, bon, ah, oh. Il y a quoi d'autre comme Pokémon? Oh, il reste déjà plus de rien, il reste plus que deux Pokémon. Ça va aller. Ouais, non, ça fait pas du tout de dégâts. Ouh. Ouais, bon, non, au final, je reprends une potion. Allez, on va se prendre une 150, mais voilà. Qu'est-ce qu'il peut... Ouais, non, là, c'est...
Ah si, ah, c'est Fenard là, par contre, que je devrais prendre. C'est plutôt Fenard. Hein. Ouh. Oh mais non, je fais pas beaucoup de dégâts. Dans un temps, je serai arrivé. Et là, par contre. Ouais, là, ça le fait plus. Ça le fait plus. On va tenter, ouais, on va tenter, hein. Ça va plus très bien le faire, hein, je crois. Bon, il y a peut-être encore un petit peu de chance, mais. Oui, c'est bon, ça va peut-être le faire, là. Allez! Non! Punaise! Mais il reste que 70 PV! Et j'imagine, il met tous mes Pokémon KO. J'ai après, c'est type O. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis un peu embêté. Normalement, ça va pas faire beaucoup de dégâts. Hein. Normalement. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, il a regagné PV. Forcément. Et là, du coup, moi, je suis cuit. Je vois pas du tout comment je pourrais faire pour baisser ces PV. Chaque tour, il en gagne. Allez hop, allez hop. Ouais, bon, là, de toute façon, je peux vraiment plus rien faire, quoi. Je peux plus rien faire. Ça sent la défaite. Ouais, de toute façon, allez hop, allez, allez, allez. Voilà, ça c'est fait. J'étais pas si loin. J'étais pas si loin de la victoire là. Là forcément. Ouais, non. De toute façon, peu importe quelle attaque je vais faire, il va automatiquement regagner des PV. Et... Ouais, de toute façon. Ah 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 ah. Ah ouais, non, je pense que ça peut être assez. Ah, 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 non! Ah, punaise. En fait, j'aurais dû faire une attaque hyper surf. Ouais, après Fenner. Enfin, après Zorak. Ah! Je saurai pour le prochain coup. Je saurai pour le prochain combat. Mais en tout cas, là, je pense que... On va refaire le combat, puis ensuite, on va faire la pause. On va faire ça comme ça. Hein? Voilà. On va faire cela comme ça. Donc, on soigne tout ça et on recommence. Non, j'ai pas dit que je changeais de... De Pokémon, j'ai dit qu'on recommençait le combat. Alors, je veux ma revanche. Ma revanche, ma revanche. Ta-da-na-na-na. Je veux ma revanche. Alors voilà, donc là, le deuxième NPC subira ma colère. Faut dire que j'ai fait un excellent début quand même dans le combat. Faut dire que je me suis bien débrouillé. Je me suis... Allez, bon. On va recommencer, hein. Allez, hop. Voilà. 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 C'est ça que je vais faire. Voilà. Voilà. Quel Pokémon que j'avais utilisé là. Oula, voilà, ouais, il va falloir que je prenne une potion.
potion. Ouais, 150 business. Voilà. Ouh. Et à et là, j'envoie Fenard. Ça va, il a pas pris trop de dégâts. Allez, Fenard, écrase-le! Écrase-le! Allez! Voilà! Une revanche écrasante, comme on pourrait appeler ça. Bon, je retourne vite fait au centre Pokémon. Et ensuite, on va se faire la petite pause. Appeler. J'ai quand même bien le droit à une pause, je le précise. Faut que j'en fasse quand même, parce que sinon... Ouh, 1h30 sans pause, ça va être un peu long quand même. Donc là, ouais, on est à la moitié de l'émission. Donc la petite pause. Ah, hop, et on soigne tout ça. Et voilà, donc. Je reviens donc dans quelques minutes. Là, c'est la pause. Donc, à tout de suite. Je n'ai pas le temps de douter, car mon chemin est tout tracé. Désormais rien ne nous arrêtera, mes amis et moi on est prêts au combat. Maître Pokémon c'est mon souhait, j'y crois et je réussirai. La victoire s'offre à moi, mon destin ne m'échappera pas. Un jour je serai champion, j'en ai la conviction. Le seul désir qui m'anime, c'est de prouver au monde entier. En poursuivant la quête ultime, il suffit d'y croire et tout peut arriver. Bravo pour les dangers, je découvre un nouveau monde. Rien ne peut m'arrêter, au fond de moi le désir gronde. Il y a tant à apprendre, tant de matchs à livrer. Je saurais me défendre, pouvoir enfin triompher. Je ferai tout pour réussir. Je veux devenir un héros. Pokémon Apex. Je veux devenir un héros. Mes rêves m'appartiennent. C'est l'avenir qui décidera. Les dresseurs ont eu un jour le choix d'arrêter leur parcours. Mais moi je suis bien décidé à ne pas me laisser décourager. Je vais continuer. Oui, je saurai vaincre mes peurs pour être le meilleur et devenir le plus grand de tous les dresseurs. J'irai au bout de mes rêves. Et je suis prêt à tout pour que jamais l'aventure ne s'achève et que la chance soit au rendez-vous. Pokémon. Oh, 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 je suis invincible sur le chemin de ma destinée. Mes amis sont à mes côtés. Cette épreuve ultime sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai de mes pires adversaires. Oh, 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 je suis invincible, Pokémon. Oh, 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 oh,
passé. Ils sont venus me battre, mais ils vont déjouer. Gagner. Mais ce qui compte le plus, c'est de trouver l'amitié. Rien ne te fait peur, tu mets tout ton cœur pour être enfin le meilleur. Tu as la rage de vaincre, rien ne pourra l'éteindre. Le tournoi extrême Pokémon vise en toi l'énergie de relever tous les défis. N'attends pas demain, la victoire t'appartient. Et donc de retour pour cette deuxième partie sur Pokémon Spets. Donc l'émission va durer jusqu'à 18h. 18h, voilà, après 18h, il n'y aura plus rien. Voilà, il n'y aura plus rien. Hein. Voilà, donc jusqu'à 18h, vous aurez du Pokémon Spets. Alors c'est parti. Alors si vous voulez me laisser un message, tout simplement. Vous pouvez aller tout simplement sur Twitter, hashtag CrisisLive, ou tout simplement sur le chat de droite. Donc il y a un chat si vous êtes sur le site de Wargames, et un chat si vous êtes sur le site gaminglive.tv. Voilà, donc j'ai dit ça. Donc, alors, je vais un peu repréciser ce qu'est Pokémon Pets. Tout simplement, Pokémon Pets est un jeu jouable gratuitement sur navigateur internet. Donc voilà, hein. C'est gratuit. Voilà. Ouais, j'ai plus rien à dire sur le jeu. Hein. De toute façon, je vais vous laisser un peu le découvrir par vous-même. Hein. Là, on essaie juste d'avoir un nouveau badge. Donc là, on est dans l'arène Ghost. Ghost Phantom. Voilà. Donc là, alors, on a battu les deux premiers NPC de l'arène. Donc ça serait bien de battre les autres. Ok, c'est pour cela que je file à l'arène. Je file. Alors. N'hésitez pas à mettre des messages. Hein. Là, pour l'instant, j'ai vraiment pas reçu de messages. Je suis déçu. Et je vais m'en remettre. Je vous rassure, je vais m'en remettre. Il me reste encore un NPC qui me barre la route. NPC qui me barre la route. Alors, à quoi comme Pokémon? Alors, 59 370. Ok, donc. Oh, ça va, ça va être assez simple. J'en ai une si c'est pas le plus simple en fait. Là, normalement, là, si j'ai une défaite, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mesdames et messieurs. Là, en l'occurrence... Pouf. Voilà, et hop. Voilà. Avec un Pokémon. Je vous avais dit que ça allait être le plus simple. Je l'avais dit, mesdames et messieurs. Là, j'y suis arrivé sans problème.
par rapport au précédent. Alors, par contre, je préfère retourner quand même au centre Pokémon. Je suis désolé. Mais moi, je prends pas le risque contre le champion d'être un peu en difficulté. Donc, je suis désolé. Mais voilà, ça sera ça et pas autrement. Donc, alors, le centre Pokémon. Celle qui est encore un peu plus en bas. Voilà, donc j'arrive au centre Pokémon. Et donc, on soigne tout ça et rebelote, on retourne à l'arène. Rebelote, c'est un peu toujours la même chose hein, ici. Dans ce jeu-là, c'est un peu toujours la même chose. Non, ben, c'est pourquoi je fais ça à chaque fois. Pas besoin de le faire. On va retourner massacrer champion de l'arène en titre. Aucun champion ne m'a résisté pour l'instant. Enfin, si un peu, mais je les ai battus quand même. Je les ai au moins battus une fois. Voilà. Et c'est pas un misérable champion fantôme ouais, qui va me faire peur. C'est plutôt moi qui vais lui faire peur, tiens. Donc là, hop. Ah, c'est... Alors, attention, là. Là. Ça va pas trop être retard. Attends, un type fantôme, c'est sensible comme à quoi? Parce que je me renseigne vite fait. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, donc... C'est bien ce qui me semblait. À son mot. Juste regarder. Hein. C'est bon, ça va passer. Ouh, ça passe, j'ai plus qu'un PV. Ça passe de justesse. Bon, potion, s'il vous plaît. Potion. La flemme est toujours... Alors, appelez. On génère 75 PV. Et je suis quand même KO. Bon. Vous aurez ma colère. Est-ce par contre quand même sensible à ça? Ouais, non, il est pas du tout sensible. Ah ouais, c'est bon, j'arrive quand même à faire baisser. Voilà. Oui! Il ne doit plus en rester beaucoup. Allez! Ça va être son dernier, je pense. Alors, attends, allez. On l'a tenté. On l'a tenté, tiens, hop. Hein. On va essayer de lui mettre ce petit poison, si ça pouvait marcher. Oui, ça marche. Ah, il est resté 7 PV. Ça serait écœuré si j'y arrive pas, quoi. Voilà, c'est bon. Rockstar, il a reçu du coup plein d'XP. Ouais, bientôt le niveau 88. Bientôt. Et j'ai un nouveau badge. Il ne m'en manque plus beaucoup.
Il m'en reculait beaucoup maintenant dans mon aventure, dans mon périple. Alors, on passe par là. Normalement, maintenant, on n'aura plus le temps de rejoindre l'autre arène. Hein. Là, oui, il est 17h19. Est-ce qu'on va prendre un temps fou pour rejoindre notre arène? Genre, elle se trouve environ 25 routes plus loin. 25 maps plus loin. Et ça, ça va me prendre un temps fou. Ça va me prendre un temps fou de traverser 25 maps. Allez, Oïs, Oïs, Oïs. Voilà, donc, le centre Pokémon pour soigner tout ça. Ça sera bon. Oui, voilà, c'est bon. C'est bon, donc, je regarde un peu... Là, donc là, voilà, donc j'étais en zone 7, donc... Oh, il me manque que 3 badges. Oh, dis. Il me manque que 3 badges. Donc, le prochain badge qu'il y aura, bah, c'est au type dragon. Cube dragon. Ouais, c'est Dark Type et ensuite Mixed Type. Ok, donc là vraiment on approche vraiment au bout de cette aventure au final hein. On y approche là. On y approche. On est un peu très loin. Très loin de la fin, donc je regarde à quelle route elle se situe. Tiens, la prochaine arène. Si je pouvais regarder ça, 458, ouais, ça fait beaucoup. Sachant que j'ai la map 429, bah voilà. Ouais, donc ouais, 25 maps à peu près de distance. Donc là on a quand même un long parcours, donc on va commencer ce parcours maintenant et puis dans la prochaine émission on sera arrivé à l'arène et donc on essaiera d'avoir le badge. Et où est sortie de cette map? Voilà, non, c'était pas ça que je voulais faire. On fiche ça. Là, c'est l'arène. Donc là, normalement, il n'y a qu'une sortie. Il essaie de me dire qu'il n'y a qu'une sortie. Bon, ah, ben, j'aurais dû prendre. Pas malin. Je longe la maison. Enfin, le bâtiment, on va dire ça comme ça, parce que... J'ai jamais vraiment vu une maison à 3 étages. C'est un peu nouveau. On repasse devant le... Le cirque. Circus, cirque. Enfin, je pense que c'est un cirque. Parce que moi, à vrai dire, je suis pas très fort en anglais. Donc, je pense qu'il faut... Attends, je regarde un peu la map, parce que... Enfin, je regarde un peu le détail, parce que là, c'est un peu... Ok, donc... Ah ok, voilà, faut retourner à la ville qu'on était passé tout à l'heure. Voilà, c'est ça. On est parti pour un long retour en arrière. Allez hop. Et c'est vrai qu'aussi on aura le gardien à affronter.
Ouais, je viens d'y repenser seulement maintenant. On aura le gardien. J'espère pas qu'il va me causer trop de problèmes. Sinon, ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire. Ah, donc, n'hésitez pas à laisser des messages Twitter, hashtag CrisisLive. Voilà, au chat qui se trouve à droite du player. À droite, par là. Non, voilà. Donc, appelez. J'en veux pas. Je n'en veux pas. On fait un long retour en arrière là. Un long retour en arrière. Un long retour en arrière. Un long retour en arrière. En arrière. Un long retour en arrière. Ta da 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 da. Ta da 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 da. Ta da ta da ta ta da ta da ta. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai chanté, mais c'est pas grave. Ah, hop, hop, allez. Je devrais plus tarder à retourner dans la ville. 2-3 maps, je pense. Ici 2-3 maps. Et je me mets comme ça, tiens. Ah, attendez, ça plante un petit peu. Hop. Ah, voilà. Si je pouvais éviter les hautes herbes, ça m'arrangerait. Figurez-vous. Hop, 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 hop. Non. Et je passe tout ça. Et à pied. Alors là, 84. Addition anti-spam. On va passer par là. On passe par là. Oh, là. Non, j'en voulais pas. J'en voulais pas, tant pis. Je vais donner de l'eau. Voilà, alors. Faut pas hésiter de boire non plus, hein, voilà. Je lui ai donné juste de l'eau pour qu'il se déshydrate un peu. Mais il avait pas apprécié. Et c'est bien fort dommage. Voilà, donc là normalement, je pense. La ville? Oui, la ville! La ville, la ville! La ville. Ça me fait mal au crâne. Donc, appeler. Voilà, donc on va au centre Pokémon. Comme ça, si je perds contre le gardien, je retournerai à ce centre Pokémon là. Qui serait bien. Ce qui serait bien, ce qui serait bien. Ah mince. C'est un petit peu plus bas là. Attendez 30 secondes. Voilà. Je reçois toujours pas de message. Je reçois pas de message, c'est d'un triste. C'est d'un triste tout né.
Voilà, donc là je suis en direction du gardien. Il devrait pas être très loin. Toute logique. Appeler. Je vais le terrasser, moi, ce gardien. Je vais le chasser de son territoire. Les NPC, en plus, là-dedans, ils sont pas polis, en fait. Ils ont pas appris à dire bonjour, j'ai l'impression. Mais quoi, c'est vrai, un petit bonjour, ça ferait pas de mal, non? Faut dire que les joueurs sont encore même plus polis que les NPC du jeu, que l'IA. Parce que regardez sur le chat français, regarde, bonjour, salut, bref, voilà, il y a plein de bonsoir aussi, bref. Là c'est vraiment poli. Hein, voilà, là, normalement, vous devriez voir le chat, enfin, le chat du jeu. Là, vous voyez, ils sont, là, c'est bien poli. Mais alors, par contre, pour... on dit, pas de bonjour. L'IA, normalement, devrait être jamais fatigué. Donc, normalement, il devrait toujours dire bonjour. Déjà, nous, quand on est fatigué, c'est un peu une obligation de dire bonjour. Enfin, on n'est pas obligé, mais question de politesse, voyez-vous. Mais même, fatigué ou pas fatigué, il y a... Voilà. Il y a malheureusement la politesse, c'est 0 sur 20. Donc là, voilà. Je suis face au gardien. Je suis sûr qu'il va pas me dire bonjour, hein. Ah, je suis sûr et certain. Même pas de bonjour. Non, mais... Il mérite que d'être battu. Je regarde vite fait. C'est Pokémon. Voilà, je pense que... Ok, ok. Alors, je sais pas dans quel ordre véritablement il va commencer. Je sais pas du tout dans quel ordre. Enfin, quelquefois ils respectent l'ordre, c'est-à-dire qu'ils vont du haut vers le bas. Mais quelquefois, eh ben non. Ça peut tout aussi bien commencer par Grodon que par Genesect ou par Zekrom, quoi. Donc, allez, on va choisir un Pokémon au hasard. Tiens, allez. Ah, bah, tiens, bah, voilà. Bon, là, visiblement, ça a l'air à peu près de respecter l'ordre. Donc, là, normalement, je fais pas de dégâts. Hein. Ouais, très peu. C'est bien ce qui me semblait. Par contre, est-ce qu'il est sensible aux attaques poison? J'ai tenté. Ouais. Ouais, je crois qu'en fait, je suis en train de me faire complètement... Je suis en train de me faire défoncer, en fait. C'est ça, le mot, c'est défoncer. Bon. Ouais, en gros, je me fais totalement... Je crois que c'est déjà ma défaite, je crois. Que dire? Pas grand chose, hein. Pas grand chose. Donc alors, hop, allez. Voilà, pouf. J'ai quand même mis son écran de carreau, mais...
Je suis loin d'avoir gagné la victoire. Bon, mais... j'ai plus rien. Là, j'ai plus d'espoir, je pense. Hein. Là, théoriquement, ça passera pas. Hein. J'ai tenté. Hein. Allez hop, voilà. Ça c'est fait. Au suivant. Fenard, il va rien pouvoir faire. Hein. Je vois pas s'il pourrait faire. Peut-être tenter, mais. Ouais, voilà. De toute façon. Bon là, je me suis pris une bonne raclée. Et heureusement que je suis allé au centre Pokémon le plus proche avant de faire un combat comme ça. Bon, je pense que je vais pas trop retenter. Du moins pour l'instant. Parce que là, fiu! Faudrait que j'ai une team un peu plus équilibrée, quoi. Parce que, au final, j'ai beaucoup trop de type O. C'est ça aussi le problème. C'est que j'ai trop de type O. Les Pokémon de haut niveau sont quasiment tous des types O, quoi. C'est un peu un gros problème. C'est un problème. Je vais aller au shop. Le shop, es-tu là? M'entends-tu, le shop? Allez hop, donc ça. Le shop, je sais plus ce qu'il est dans cette map. Ah, tout en bas. Tout en bas. Tout en bas, hein. En bas à droite. Donc là, je le vois en tout cas. En bas à droite. Ta-na-na-na-na. Hop, voilà, qu'est-ce qu'il y a de bien au shop, sachant que j'ai pas mal de gold, hein, donc ça peut être pas mal. Hop, et on fait ça, et on fait ça. Et on va voir ce qu'il y a de bien, donc on... Dernier jour, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de choses intéressantes. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ouais, bon. Vous savez quoi dans la prochaine émission que je ferai je ne sais pas quand d'ailleurs, j'augmenterai l'expérience de certains Pokémon, hein, pour que ça monte en niveau, parce que dit je pense qu'il y a, grandement besoin pour les autres, il y a quand même un grand écart, donc ça sera bien que la prochaine émission sera sur ça. Donc, il n'y aura pas d'arène normalement durant la prochaine émission. Voilà, bon là, en l'occurrence, il n'y a pas trop de choses. Il n'y a pas grand chose d'intéressant en fait. C'est ça le truc. Pas grand chose d'intéressant, bref. Bon. C'est dommage, c'est dommage. Voilà. Ouais, alors moi, je sais pas trop quoi faire. Là, à partir de maintenant, parce que bon, là, vu le temps qui reste, il reste à peu près quoi 10 minutes à tout casser. 10 minutes à tout casser, donc là, bon, je vais pas rentamer autre chose. Donc je vais plutôt faire du n'importe quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais faire du n'importe quoi, allez hop. Non,
Non, je pense que je vais un peu me balader sur, sur le site là actuellement. Je vais un peu me balader. Je vais voir qui est connecté, tiens. Qui est connecté au jeu? Oui, je suis 173e. Donc là. Il y a quand même un peu de monde. On n'aura pas le temps non plus de faire un combat contre un autre joueur, je pense. Là, il a fallu prévoir un peu à l'avance. Il aurait fallu prévoir un peu à l'avance. Là non, on n'aura pas le temps pour ça non plus. On n'aura pas le temps pour ça. Là, il y a combien qui... 169 personnes, ouais, bon. Pas mal, pas mal. Le top trainer. Bon. Ouais, ça en quelque sorte un autre classement. Ouais. Je sais pas du tout combien je suis classé en fait. C'est pas du tout, justement, je regarde. Oui. Je sais pas du tout. On peut pas avoir un outil pour savoir ce qu'on est. C'est vrai que j'y suis même pas du tout. Non, je pense que j'y suis. De logique. Je trouve que c'est vraiment dans là, ouais. Allez, je regarde tout ça, ouais, ça sent ses dents. Ah ouais, voilà, c'est le même classement que tout à l'heure, ouais. J'ai l'impression que j'ai quand même jamais vu cette page là, mais bon, dans cette section là. Enfin bon, c'est pas très très vrai, j'examinerai ça un peu plus tard, va-t-on dire. Un petit peu plus tard. Bon, sachez qu'il y a bien évidemment un Pokédex qui est disponible. Hein. Suffit d'aller dans MISC et Pokédex. Et là voilà, on a le Pokédex de tous les Pokémon. Et les seuls Pokémon qu'il n'y a pas actuellement sur le jeu, mais bon, je pense que ça ne devrait plus trop tarder, c'est les Méga Évolutions. Ça, par contre, ils y sont pas encore. Je pense que ça viendra. Ça viendra dans quelques semaines. Mais en tout cas, ouais, il y a les Pokémon, il y a les Shiny aussi. On peut aller un petit peu plus loin pour les Shiny. Voilà, hein, les Shiny. Attends, on va retourner page 1 pour... Faisons un peu la fiche d'un Pokémon. Voilà en gros. En gros, ouais, voilà. C'est un peu près ça. Ah, mais ça, je supprime ça, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Oh, oui. Il reste encore quelques minutes à peine. Moi j'y vais à peu près toujours 10 minutes à l'avance. C'est vrai que. Disons que je coupe pas le stream à 19h50. Disons que. J'arrête le live. Et puis je mets l'écran de pause comme. Vous voyez, puis bon, je termine les dernières musiques de générique. Comme ça, ouais, alors.
comme ça, bon, ça se termine vers 19h55. Pourquoi je me crois à cette heure-ci? Non, 17h55, 19h, 18h. Oh là, putain, j'ai du mal. J'ai du mal. 17h55, 18h. Donc, alors, est-ce qu'il y a autre chose à vous faire montrer? Il y a des screenshots, mais bon, est-ce que ça... Enfin bon, vous les ouvrez par vous-même. Là, je pense que là, vous avez... Ah tiens, ça, c'est pas mal, Steve. Moi, ce que vous voyez lorsque vous vous inscrivez... Allez, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ah, puis en plus, il est long à s'afficher. Bon, tant pis. Ah, il avait peut-être comme s'afficher. Voilà. Donc, voilà à peu près. Je crois pas que vous puissiez arriver à tout voir. Oh, si, quand même. Oh, si. Si, vous arrivez à tout voir, quand même. Voilà. Vous arrivez à tout voir. C'est pas mal. C'est vrai que maintenant, quand... Enfin, je me revois dans ça, je me dis... Ah ouais, quand même, il fait noir. Donc, yes. Il fait noir. C'est maintenant que je m'en rends compte, en fait. Autant pis, hein. Je vais laisser les lumières éteintes. Hein. Donc, je précise qu'on peut choisir, bon, son pseudo, mot de passe, adresse mail. Enfin, on peut choisir, bien évidemment, le personnage qu'on veut, hein, le costume, voilà. Puis vous choisissez le starter que vous voulez, sachant qu'il y a tous les starters dans le jeu. C'est-à-dire, il n'y a pas que Carapuce, Bulle Bizarre et Saint-Mèche. Oh là. Vivement la fin de semaine, je crois que je commence à être usé. Je commence à être usé, je crois. Il y a aussi tous les autres starters qui sont présents. C'est juste que cette image date de Mathieu Zalem. Et là, c'était l'une des toutes premières versions du site. Bah, j'ai envie de dire à peu près toutes les images. Hop. C'était il y a très, 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 très longtemps. C'était il y a très longtemps, là. Hein. Là, vraiment... C'était il y a extrêmement longtemps. Donc là, ah, je suis là. J'ai jamais vu cette page-là, mais visiblement, elle date. Vu qu'elle est là. C'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à vous faire montrer? Ouf. Il faut quand même que je vois des choses et quoi par vous-même. Hein. Bon, il y a quand même un fond d'écran. Sauf que bon, il n'y en a qu'un seul. Hein, bon, voilà, hein, il n'y en a qu'un seul. C'est dommage. Bon, les bannières, bon, ça, c'est ce qu'il n'y a pas de plus intéressant. Les avatars. Ah, voilà, voilà, il y en a vraiment pas mal. Sachant que c'est une galerie, hein, on peut... On peut faire son propre avatar, hop, on lui pose sur un hébergeur l'image en ligne, voilà. Et ensuite, vous mettez l'URL et paf, vous avez votre avatar dans le jeu. Alors, là, c'est qu'une galerie d'images. Donc, il y a les images donc, Pokémon et aussi les images des monstres du jeu Monster Memo RPG. Donc, vous devriez voir un petit peu plus bas. Vraiment là, ça devrait être bon. Pour un petit temps d'affichage. Pour un petit temps d'affichage. Alors, appelé. Est-ce qu'on a un message? Non. Pas de message, bah alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, donc là, vous voyez les monstres de Monster MMORPG. Voilà, donc, c'est un jeu gratuit. Hein. Vous tapez, enfin, vous ouvrez une nouvelle fenêtre, ou un nouveau onglet, hein, voilà. Vous tapez Monster MMORPG
pg.com et vous êtes tombé sur le jeu et voilà. Sachant que c'est les mêmes maps. C'est les mêmes maps mais pas avec les mêmes monstres. Ce sera pas avec les Pokémon. Voilà, donc attends, je remonte tout ça. Ah bah ça y est, ça va être... ça y est, il est 17h49. Je précise que je possède bien évidemment un forum. Hein, et puis voilà. Voilà, donc là, je pense que voilà, ouais, il y a à peu près de petites choses, bon, pas forcément utiles. Hein. Je vois bien, vous avouez que les avatars, c'est pas forcément utile. Non, mais bon, voilà, des petites choses à savoir, on va tenir par là. Donc voilà, ouais, j'ai retourné sur les jeux, voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié ce live. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous une prochaine fois, je ne sais pas du tout quand ou comment, enfin bref, ou je pense que ça sera toujours ici. Mais quand, je ne sais pas du tout. Alors voilà, donc j'espère que ce live vous aura plu. Ouais, j'espère très sincèrement. Et puis voilà. Ouais, non, je crois pas que j'ai de messages sur le chat de gaminglive.tv. Je regarde ça tout de suite. Non, j'ai pas de message. J'ai pas de message, c'est triste. C'est triste. Oh, c'est triste. J'ai pas de message. Je vais pleurer. Je pleure. Ouais, bon, je sais. Je suis très nul. Je suis très nul sur de la simulation pour pleurer. Pour pleurer, pour quoi que ce soit. Enfin, bref. Voilà, donc, passez une excellente soirée. Éclatez-vous bien et ciao à plus! Pokémon, c'est une question de défi. Dans ce nouveau monde, commence une nouvelle vie, nouveaux ennemis. Si tu te bats pour ta survie, on sortira grandi, diamant et perle. C'est une question de victoire, et si tu veux gagner, tu dois pouvoir y croire. Chacun de tes pas te propulsera vers la gloire. Tu devras tout donner, ne jamais cesser d'en vouloir. Pokémon, plonger dans l'aventure, diamant et perle, et changer le futur. Pokémon. Loin de tout, sur les routes, jamais seul, tu t'en doutes. Brave et fort, unis face au défi, c'est mon choix de vie. Nous serons les héros, l'amitié gagnera la bataille. Vois ce monde nouveau, je te suivrai où que tu ailles. Nous serons les héros, Battle Dimension Pokémon. C'est difficile parfois de pouvoir faire les bons choix, mais tu sais qu'au fond, si tu es fort et fuis ton cœur, tu n'auras jamais tort.
avancer.